Coucou les copinettes, re-bienvenue dans l'atelier de Kiki pour la deuxième vidéo du jour. Voilà, j'ai reçu ma commande de la scraposphère, voilà. Alors ça arrive dans une super enveloppe, regardez, elle est super bien, tout était bien protégé, c'est une grosse enveloppe bien dure. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il y avait des tampons en solde, donc je me suis fait plaisir. Tout d'abord, j'ai eu ce tampon en cadeau, vous voyez, plaisir d'offrir. C'est une jolie flèche. Après, j'ai pris, alors c'est des tampons non montés, hein, qu'il faut monter sur de la mousse grise. Et j'ai oublié de la mettre dans ma commande, donc c'est ballot, va falloir que je refasse une commande. Mais bon, ça, je peux m'en servir quand même, c'est moins facile, mais j'arrive à m'en servir sur mon tampon acrylique avec du scotch derrière, voilà, mais c'est moins pratique. Donc j'ai pris aussi cet ensemble de 4 flèches étiquettes, parce que je n'en avais pas, et elles sont plus grandes que je pensais. Donc là, je ne vous ai pas fait le tamponnage parce que ça se voit assez bien. Voilà, j'ai pris ce petit lot de tampons, au lieu d'être à 3 euros, ils étaient à 2,95 €. Et il y a marqué je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Et il y a un petit tampon avec 3 cœurs. Donc là, ce sont des tampons clear. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce tampon. Je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Alors, il y a marqué « Ma rentrée, c'est parti ». Je n'avais pas de tampon sur le thème de la rentrée scolaire. Donc, eh bien voilà, c'est fait. Voilà, il est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, du muguet. Je n'en avais pas non plus. Donc voilà, le dessin des clochettes est très fin. J'ai tout tamponné à la Versafine, là. Donc, vous voyez, les feuilles, c'est très joli. Ça, pour tous ces petits tampons, là, pour les ATS, ça va être génial. Les ATSC, les ATQuants, les Moridex. Cette trop jolie feuille de chou. Branche de houx. J'adore, de feuille de houx. Elle est très jolie aussi. Voilà. Et vous voyez, les dimensions, c'est vraiment du petit tamponnage. Parce que là, ça fait... il fait 5... sur 1,5. Donc c'est parfait. Alors ici, les petits chiffres qui vont me servir pour du mix média. Voilà tous les chiffres. Et à la limite aussi, peut-être les découper pour faire le prix des timbres sur les ATS. Ça peut être sympa aussi. Voilà. J'ai ce petit tampon de coin, étoile. Tout mimi. J'ai alors ce mot Celebrat this day, je crois que ça voulait dire célébrons ton jour, quelque chose comme ça. Là, j'ai dû faire une erreur parce que c'est rare que je commande des tampons en anglais s'il n'y a pas en français à côté. Il y a ce petit tampon que j'adore, qui est trop mimi, cette petite chouette où il y a marqué félicitations et dont je peux séparer le félicitations pour le mettre ailleurs ou me servir de la chouette toute seule. Voilà. Il y a ce diamant qui est tout petit aussi, qui est très bien. Il y a ce réveil. Voilà. Des petits tampons, je voulais des petits tampons et c'est impeccable. Donc là, il y a marqué « Oh, happy day », « Passez de bons moments ». Vous voyez, là, c'est en anglais, mais en dessous, c'est marqué en français. Donc à la limite, je peux aussi récupérer que les mots français si je veux. Il y a « Good times ». Donc là, une petite flèche. J'aimais bien la flèche. Donc celui-là, je sais que je l'ai commandé, je suis sûre, sans m'être trompée. J'aimais bien la flèche avec le mot. Alors, celui-ci. Magique et unique. Donc là, c'est pareil. On peut utiliser que magique ou unique.
c'est possible aussi. Celui-ci, c'est te regarder grandir et profiter de la vie. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est le même style que celui-ci, vous voyez, avec le... Je vous montre d'abord le tampon. Avec le petit... Le haut un peu arrondi, comme ça, j'aime beaucoup. Alors, 100% garçon. Alors celui-ci qui n'est pas trop bien tamponné, mais parce que bon voilà, je ne l'ai pas mis sur la mousse, mais quand il aura la mousse, il se tamponnera très bien. Halloween, j'ai très peu de choses pour Halloween, donc bah, ma foi, je vais profiter de la promo. Voilà. Il y a celui-ci que j'aime énormément, c'est partir à l'aventure avec la petite coccinelle. Je le trouve trop beau celui-là. C'est pareil, je peux utiliser la coccinelle toute seule et le mot à part. C'est très bien ça. Vous savez, si on veut les utiliser, ben, voilà, tout simplement, je mets un petit post-it là. Et comme ça, je ne tamponne que le mot ou vice-versa. Je mets là un cache et je ne tamponne que la petite voiture. Voilà. Il y a cette petite flèche aussi, qui est sympatoche. Il y a beaucoup de lumière, hein. Il fait très beau encore aujourd'hui, et beaucoup de luminosité. Là, il y a marqué « Départ immédiat ». Donc, ça peut très bien se coordonner avec « Partir à l'aventure ».« Départ immédiat », ça peut aller très bien sur une carte. Voilà. Ici, j'ai urgent. J'adore. Ça fait un petit peu vintage, un petit peu usé. J'aime beaucoup. Bon, je pense qu'il se tamponne beaucoup mieux que ça, mais cet effet-là donné sans vouloir me plaît énormément. Pour le mixer de Bedia, c'est très très bien. Donc, j'ai celui-ci aussi. C'est carnet de souvenirs. L'écriture est vraiment très fine. J'aime beaucoup. Elle est très élégante. Voilà. Ici, j'ai Joyeux Noël. Bon, évidemment, je suis un petit peu en avance, mais c'est comme ça. Il me plaisait bien. L'écriture aussi me plaisait bien. Et alors, le petit dernier, un vrai bonheur. Voilà, un vrai bonheur. Voilà. Donc, là, j'ai 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 tampons. Comme ça, je vais le noter parce qu'après je vous dirai le prix de tout ça. Donc j'ai 22 tampons plus là. Il y en a 6, je crois. Ouais, là j'en ai 6. Et ici j'en ai 4. Donc 6 et 4, 10, ça me fait 32. 6, 7, 8, ouais. Donc ici j'ai 32 tampons. Et puis, j'ai pris ce qu'ils ont appelé la box, la scrapo box luxe. Hors série sur mesure. Voilà, elle est dans ce joli coffret. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Donc, un joli coffret, une boîte aimantée, qui va certainement me servir à ranger mes petits tampons, là, en attendant qu'ils soient montés. Et dedans, quand on ouvre, j'ai juste fait ça. Déjà, j'ai le petit cadeau. Il y avait, en fait, 3 choix. Il y avait un choix de tampon, un choix de pochoir, un choix de dies, un choix d'étiquette et un choix de cadeau. Moi, j'ai choisi le cadeau, j'ai choisi ces petites bulles parce que pour le mixer média, pour les ATC, pour faire des petits fonds pour les cartes, je l'ai trouvé trop sympa. Donc, la box est présentée comme ça, dans sa petite boîte.
avec son joli papier de soie et son petit ruban. Donc, allez, on va l'ouvrir. Et je vous avoue que je ne me souviens plus trop de ce que j'ai commandé. Donc, on va avoir la surprise. Alors, j'ai ce tampon, toi et moi. Ah non, c'est le dies. Le dies, toi et moi. Mais vous savez pas, on va faire la découpe tout de suite. On va l'essayer en direct. Allez, c'est parti. Un petit papier. Un petit papier blanc, ça serait bien. Pourquoi pas un papier jaune? Allez, j'ai un petit bout de papier là. Je vais le couper à dimension de ma machine. Voilà. Et on va l'essayer tout de suite. Crac. Hop. La deuxième plaque. Et c'est parti. Alors, je ne fais qu'un aller. On va voir ce que ça donne. Eh bien, ça a coupé parfaitement. Je vais vous le mettre sur là-dessus. Les petits bonhommes. Hop, le thé. Alors, attendez, je vais sortir les petites lettres. Voilà, ça se défait tout facilement. Donc, alors, toi et moi. Avec le petit, c'est mieux si je mets le i à l'endroit, hein. Voilà, avec le petit point, le m à l'endroit aussi, le o. Et b, il ne veut pas y aller, hein. Voilà. Voilà, c'est une toute petite découpe toute fine. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, le petit monsieur, j'ai oublié de mettre la tête du petit monsieur, le pauvre. Voilà. Donc, on peut l'utiliser comme ça ou comme ça. C'est très joli aussi. Ça peut faire un très beau pochoir d'ailleurs. Vous savez, tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. On va le remettre dedans. Hop. Alors ensuite, je vais sortir ça. Là, il y avait les étiquettes. Oui, j'avais fait un choix numéro 4 d'étiquettes. Alors, la vie est belle, suite page 24, paragraphe 14, Happy, Créa, Junk Journal, 100% artistique. Bon, enfin, vous voyez, tout plein d'étiquettes. Bien sûr, je vais les photocopier avant de m'en servir. Petit paquet. Hop. Alors, ça, c'est les mêmes. Hop, photo parfaite, c'est la même. Voilà, en fait, il y a 4 séries avec 2 planches à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est les petites étiquettes. Alors, tout ça, c'est création française. Hein. Tout est création française, les tampons, tout. Hein. Tout ce qui est présenté dans cette vidéo, tout est fabrication française. Ensuite, le pochoir.
un magnifique pochoir. Regardez, là encore, on va le tester. Allez, c'est parti. Il faut que je trouve une feuille assez grande. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Je vais prendre ça et ça. Allez, on va le tester. C'est parti. Je sens que ça, ça va me faire des fonds trop trop beaux. Pour le mix and media. Je sens que ça va être super beau. Hop. Bon, je l'ai pas, je vais prendre celui-ci. Bon, je m'applique un peu quand même parce que ça vous donne vraiment une idée du rendu, de ce que l'on peut faire avec. Alors, voyons. Ouais, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Voilà, alors attendez, c'est juste un petit essai, hein, comme ça, un petit crash test pour vous montrer. Oh, regardez, c'est super beau. C'est super beau. Ça, sur du mixing media, c'est trop trop beau. Alors, je vais le nettoyer tout de suite. Voilà, je vais enlever le plus gros. Vous avez droit à mon chiffon cracra, mais qui est fait pour ça. Voilà. Hop. Donc, eh bien, je suis très contente de ce pochoir. Il est vraiment trop beau. C'est des choses magnifiques. Hein. Franchement, c'est en travaillant un peu mieux, ça va être trop super. Alors ensuite, il y avait la planche de tampon. Bon voilà, j'ai choisi ces grandes feuilles. J'ai pas beaucoup de tampons fleurs et feuilles, donc du coup, j'ai pris cette planche de tampons. Ils sont très beaux aussi. Alors, pour en revenir au prix, pour la Scrapo Box de luxe avec donc la planche de tampons, le pochoir, la planche d'étiquette, le petit dice et le tampon bulle. Qui est parti se cacher, qui est là, voilà, dans sa petite, dans sa jolie petite boîte, elle m'a coûté 30 euros. 30 euros plus tout, mais nous avons donc dit, mais plus mes 38 tampons, j'en ai eu pour 37,95 €. En fait, là, j'ai 30 euros là, et dans mes tampons, tous ces tampons là, j'en ai pour 7,95 €. C'est quand même quelque chose de plus les petits cadeaux quoi. Je trouve que franchement, alors il y a 3 euros de frais de port, j'en ai ici pour 40,95 €. Des tampons français, une marque française. Bah écoutez, ça a été livré hyper rapide, emballé très sérieusement, c'est du hyper solide, franchement.
Je commandais déjà dans cette boutique, mais je vais recommander encore parce que je suis très satisfaite. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la boutique. Je n'ai aucun partenariat avec eux, je n'ai aucun gain, si vous voulez, à vous présenter cette boutique et à vous parler de ma commande. Mais ça me faisait plaisir de partager avec vous cette petite commande qui, moi, me plaît énormément. Et bien voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.